2 décembre, on descend dans Botifla pour Noël. Je souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Vous allez voir cette vidéo-là passer Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et je vous souhaite tout ce que vous désirez. Donc sur ce, on s'en va dans Botifla. Ça va être fantastique. On va se ressourcer. Un départ! 2 heures et demie de tour avant destination de Pointe-Lécamuc. Chez les grands-parents, il est 7h, on vient d'arriver, pas de réseau cellulaire, mais c'est pas grave, c'est ce qui est plaisant ici, c'est qu'on est libre, on se libère, on se ressource, et sauf quand on sort du village, ben on en a, mais ici, au village, on est trop peu pour en avoir. Pas grave, on va apprendre à socialiser. Sur ce, petite photo, moi et mon frère, dans le temps qu'on s'aimait et qu'on chicanait pas, ben non, c'est pas vrai, on chicane plus. Bonne nuit! Hey, on est rendu le lendemain, on est dehors, on va essayer de faire du 4 roues, je sais pas si ça va être fructueux, on va essayer de faire du 4 roues, mais il y a beaucoup de neige, beaucoup de neige. On sait pas ce que ça va donner, j'espère pouvoir en faire. Ça ne fut pas un succès. Je viens de faire caler le 4 roues. Il y avait trop de neige. Fait que... on va pelleter. Mon grand-père qui m'a dépris, puis il souffle ma gaffe. De retour à l'intérieur, vraiment le fun. Merci grand-père de m'avoir permis de faire du 4 roues, détruire ton beau terrain. Puis ce soir, c'est la classique hivernale des nados. On joue au hockey. À chaque année, on se fait une game de hockey, tous les nados, les cousins ensemble.
les cousins apportent de leurs amis pour qu'on puisse avoir des équipes complètes. Donc, ça, c'est un autre moment que j'attends le plus dans le temps des fêtes, c'est cette game-là, parce qu'on s'écœure, on s'agace, puis on a bien du fun. Puis après ça, on va aller au bar du coin, ça s'appelle, dans le village. Anecdote de l'année passée, on s'est fait kicker out à 1h du matin, parce que la fille, elle voulait, c'était la propriétaire qui était là, puis la fille voulait plus. Elle était tannée d'être là, fait que même si on était 8 dans le bar, mais tchou bye, moi je ferme le bar, il est 1h, là, pas de lascar à rien, on s'est fait dire, on arrive à se prendre une bière à 1h, puis non, moi non, je ferme. On ferme. Nous autres, on était bien sur le party, puis ben, c'est de valeur parce qu'elle aurait fait encore plus d'argent que nous autres, on venait de commencer. Mais bon, fait que cette année, on va essayer de voir à quel heure on va se faire kick out du bar, mais on va essayer de dépasser 1h. Rendu le 24, nous c'est Noël, donc joyeux Noël à tout le monde. On va déballer les cadeaux tout à l'heure, mais avant ça, on attend l'arrivée du Père Noël que vous voyez dans tous vos dans toutes vos familles. Et nous, c'est le vrai Père Noël. On va aller voir ça. Superbe journée de Noël, le 25. Joyeux Noël à tout le monde. Il fait beau, il fait pas froid. Et on est parti en raquette jusqu'au lac. Alors, je pense que je pourrais dire... Et qui ou de cinéma? Donc c'est ce qui conclut mon année 2016 sur YouTube, mais je vais revenir en force en 2017. Je vous souhaite encore un joyeux temps des fêtes. Dites à vos proches que vous les aimez. Le temps des fêtes, c'est là pour ça. On se dit qu'on s'aime, puis on apprécie la présence des autres parce que parfois, certains partent beaucoup trop vite. Sur ce, j'ai fini mon année 2016 en travaillant et je commence en 2017
en travaillant. Ça va être vraiment le fun. C'est des opportunités qui se présentent à moi. Et puis, 2017 va être rempli de belles opportunités et d'accomplissements. Donc, je vous dis une très belle année, un joyeux temps des fêtes et à la prochaine. Ciao!